Le ministère du Développement et de la Coordination de l'Action Gouvernementale, conformément au décret numéro 2021-324 du 30 juin 2021, pris par le président de la République, a pour mission d'impulser le développement économique et social, d'assurer la coordination, le suivi et l'évaluation des politiques publiques, de coordonner l'action gouvernementale et de veiller à la mise en œuvre des actions et décisions du gouvernement. Une mission confiée au ministre d'État Abdoulaye Biotchane, qui, depuis lors, avec l'aide de son cabinet, ses directeurs centraux, techniques et départementaux, élabore des politiques et stratégies de développement et définit les orientations stratégiques des investissements publics qui permettent au Bénin de tirer meilleur parti des défis du présent et du futur en matière de valorisation des potentialités nationales et d'anticipation des problèmes liés à son évolution. Il y a un adage courant que les économistes surtout apprécient, qui dit que quand vous savez mesurer quelque chose, vous savez le faire. Et c'est de ça que découle la nécessité de planifier les choses pour pouvoir les réaliser. Et c'est dans cet esprit donc que le président Patrice Talon, dès 2016, a décidé que nous ramenions notre pays dans le processus de planification qui avait existé des années auparavant, mais qui avait été abandonné par la suite. Et c'est dans ce contexte que vous avez pu noter que nous avons élaboré et exécuté le PAG 1, puis là maintenant élaboré et en train d'exécuter le PAG 2. En même temps, nous avons élaboré le plan national de développement. Mais surtout, ce que beaucoup de gens savent et que certains ne savent pas, c'est que en sous-bassement, nous avons ce que nous appelons la vision à la FIA, qui a guidé un peu ces travaux qui ont été faits par la suite. Le gouvernement de Patrice Talon, depuis 2016, nourrit de grandes ambitions pour le Bénin. Un Bénin prospère, où il fait bon vivre pour chacun et pour tous. Pour ce faire, un accent particulier a été mis sur la planification, d'où la formulation de la vision Bénin à la FIA 2025, qui a fait ses preuves en matière de développement. À l'approche de l'échéance de cette vision, une autre plus ambitieuse est en cours d'élaboration et sa formulation devra s'appuyer sur l'évaluation des bonnes pratiques des programmes d'action du gouvernement 1 et 2 et définir sur la période 2026-2060 les grandes orientations de développement. La vision à la FIA, qui a été élaborée dans les années 2000, va expirer en 2025. Il est de bon ton qu'une autre vision soit élaborée par ce gouvernement qui est en charge pour réunir autour de tous les concitoyens dans toute leur diversité, de la manière la plus inclusive possible, définir ce à quoi nous voulons que notre pays ressemble dans quelques années. Le gouvernement a eu à se pencher sur ce sujet et a défini déjà l'horizon de cette vision. Ça va être les 100 ans du Bénin. Et donc, la question que nous nous posons dans cette vision, c'est à quoi souhaitons-nous que notre pays ressemble quand le Bénin aura 100 ans d'indépendance? C'est extraordinaire. Peut-être que nous-mêmes individuellement ne serons pas là, mais nos enfants, nos petits-enfants, nos familles respectives seront là et pourront constater que peut-être que nous avons vu juste en souhaitant que notre pays soit d'une certaine manière vécu par nos concitoyens qui seront là en ce moment. Toujours dans une dynamique de planification, le ministère du Développement et de la Coordination de l'Action gouvernementale a pensé à la SNIF, Stratégie nationale de l'inclusion financière, une stratégie
élaboré pour réduire le niveau de pauvreté et de vulnérabilité conformément aux piliers du Piaget 2 relatif à la poursuite de la transformation structurelle de l'économie et l'amélioration du bien-être social des populations. L'objectif de cette stratégie est qu'à l'horizon 2027, les populations béninoises bénéficient d'une éducation financière et ont un accès sécurisé aux produits et services financiers adaptés dans un cadre légal et réglementaire adéquat. Quand on regarde le fonctionnement de notre économie, il y a une faiblesse que beaucoup de gens constatent, c'est que beaucoup de nos concitoyens n'ont pas accès aux services financiers. Vous ne pouvez pas avoir accès au crédit pour faciliter les investissements que vous voulez faire en tant que ménage ou en tant qu'individu. Vous n'avez pas accès au crédit en tant qu'entrepreneur pour accroître votre niveau d'activité et accroître ainsi la valeur ajoutée que vous pouvez générer, créer de nouveaux emplois, alors même que c'est possible de le faire. Vous ne pouvez pas, dans beaucoup de régions, de communes de notre pays, vous ne pouvez pas épargner dans une institution parce qu'il n'y a pas d'institution dans votre localité, dans votre commune, pour faire cette épargne-là. Et quand on a mesuré cela, on s'est rendu compte que, grosso modo, entre 30 et 40% de nos compatriotes n'ont pas du tout accès à ces services-là. Et c'est un obstacle dans la croissance économique de notre pays, dans le développement des activités, dans la génération de la richesse. Et nous devons donc résoudre cette préoccupation-là de nos compatriotes. Abdoulaye Biotchane et les cadres de son département ministériel engagés dans une dynamique de projection à travers la planification ont réfléchi à la question de la croissance démographique au Bénin. En effet, la population béninoise croît à une vitesse exponentielle quittant 3,3 millions en 1979 à plus de 10 millions en 2013 et plus de 12 millions en 2023. Un accroissement inquiétant en ce sens que cette croissance démographique actuelle du Bénin exerce une forte pression sur la demande sociale qui tend à inhiber les efforts de réduction de la pauvreté, d'où l'élaboration de la stratégie nationale de la dynamique démographique, un projet qui vise à stabiliser la croissance démographique au bénéfice de la capture du dividende démographique et du développement durable. Si la dynamique démographique actuelle reste maintenue, notre population va doubler à l'horizon 2050. C'est dans ce cadre que sont tenues les Journées nationales de développement JND, la première édition du 28 au 30 mars 2023. Un colloque pour réfléchir à cette thématique d'une importance capitale pour le développement du pays. Lorsqu'on regarde un peu la trajectoire de notre développement, on se rend compte que malgré les efforts qui sont fournis depuis des décennies et ces efforts qui ont été accentués ces dernières années, nous peinons toujours à atteindre significativement la réduction de la pauvreté et permettre à tous les Béninois d'avoir accès aux services sociaux de base. C'est là justement que se pose la difficulté. Parce que lorsque vous avez 600 000 enfants qui naissent chaque année, c'est autant de ressources qu'il faut mobiliser et engager dans les cantines scolaires. C'est autant de ressources qu'il faut mobiliser et engager dans la construction de corps, dans la mise à disposition de l'eau potable. C'est autant de ressources qu'il faut mobiliser dans le recrutement du personnel enseignant, dans le recrutement du personnel sanitaire et autres. C'est donc une demande sociale importante. Et satisfaire la demande sociale, c'est aussi, dans une certaine mesure, créer une forme d'éviction, donc une forme d'éviction de dépenses en faveur de la dépense sociale au détriment des dépenses dans le secteur productif, c'est-à-dire au détriment des investissements structurants, par exemple, qui visent à transformer l'économie et qui visent, à travers cette transformation-là, à promouvoir le bien-être des populations. Donc voilà un peu le dilemme auquel nous faisons face dans la planification du développement et qui nous amène, entre autres variables, à considérer un certain nombre d'ajustements à faire sur notre politique nationale de population.
La problématique de la croissance démographique au Bénin constitue une préoccupation majeure pour le gouvernement qui prévoit d'autres rencontres de plus grande portée, comme les assises nationales, afin d'y trouver des solutions idoines pour asseoir un réel développement du pays. Depuis l'adoption de l'agenda 2030 et ses objectifs de développement durable, le Bénin fait partie des rares pays au monde à élaborer chaque année un rapport de progrès, et ce, grâce à la mise en place d'une plateforme unique digitalisée pour le suivi de la mise en œuvre des ODD au Bénin, une plateforme innovante. D'une innovation à une autre, le Bénin se démarque de plus en plus. On en veut pour preuve la réalisation des examens locaux volontaires pour 4 communes, ce qui constitue un record en Afrique. Jusqu'en 2021, seulement 5 pays africains ont fait cet exercice pour une seule ville. Le Bénin, en 2022, a mis en œuvre l'une des recommandations du Forum politique de haut niveau et du Forum régional africain sur le développement durable. Une expérience fabuleuse réalisée dans les communes d'Abomey-Calavi, Niki, Basila et Avrankou. Il faut dire que le Bénin a fait beaucoup de prouesses. Déjà, jusqu'en 2021, nous faisons partie des deux seuls pays au monde à participer à ce qu'on appelle le Forum politique de haut niveau, à élaborer une contribution nationale volontaire pour montrer quelles sont les initiatives que le pays est en train de prendre pour atteindre les cibles que nous nous sommes retenues. Et comme l'a dit quelqu'un, on ne reste pas seulement en haut pour le développement. Il est vrai qu'au niveau central, les gens savent d'une certaine manière ce que sont les ODD, mais est-ce qu'au niveau donc de nos villages, au niveau de nos communes, les gens sont autant imprégnés? C'est ça le problème. Et donc, lorsque nous parlons d'examen local volontaire, c'est une manière, n'est-ce pas, de pouvoir amener les communes à également s'approprier les objectifs de développement durable. Aussi, pour que les politiques de développement soient inclusives et touchent toutes les communautés, le ministère du Développement et de la Coordination de l'Action gouvernementale dispose de directions départementales de développement qui sont plus dans un rôle d'appui-conseil au profit des différentes communes sur toute l'étendue du territoire national. Les DDD, comme on les appelle, ont entre autres pour mission de renforcer les capacités des cadres à divers niveaux des communes dont elles ont la charge, notamment en matière d'élaboration des stratégies de promotion de l'économie locale, l'appui des communes pour disposer d'un plan stratégique triennal de mobilisation des ressources fiscales en vue d'accroître leur capacité de financement des projets, entre autres. Lorsque nous prenons les 12 derniers mois, par exemple, il nous a été demandé d'accompagner les communes, entre autres, à l'évaluation des PDC, plans de développement communal, troisième génération, qui est un processus qui est venu à terme. Et toutes les communes, à la date d'aujourd'hui, sont en train d'élaborer leur plan de développement communal quatrième génération. Et donc, nous suivons ce processus avec les acteurs, histoire de voir la cohérence de l'élaboration de ces documents avec les documents au plan national. En ce qui concerne le département de la Libourie, nous avons eu à mener plusieurs activités. La toute première activité que nous avons effectuée, c'est l'évaluation finale des plans de développement troisième génération. Ces plans de développement, nous avons fait du moins leur évaluation à travers une méthode spécifique et l'évaluation interne. Donc ça consistait juste à exploiter les compétences des communes et en ne invitant pas un consultant, mais à mettre au travail les acteurs communaux. Et pour que nous en arrivions au bon résultat, il a fallu qu'on les forme d'abord en amont sur la méthodologie d'évaluation. Et grâce à l'appui également de la DGPD, du ministère du Développement, de la Coordination de l'Action gouvernementale, nous avons vraiment mené à bien cette activité. Le ministère du Développement et de la Coordination de l'Action gouvernementale
en dehors de son rôle important qui est de planifier les projets et programmes de développement, se consacre aussi à l'évaluation des politiques publiques. La vision nourrie, la planification faite, il faut procéder à l'évaluation. Le MDC, dans ce cadre, a élaboré la loi cadre sur le système national de planification et de l'évaluation des politiques publiques au Bénin. Un avant-projet de loi qui vise la continuité et la pérennisation des interventions publiques et la stabilité du système national de planification. En dehors de cette loi cadre, il y a la méta-évaluation des politiques publiques de 2007 à 2009. En effet, le gouvernement a amorcé depuis 2007 le développement du système national d'évaluation visant à renforcer la culture évaluative et améliorer la qualité de la gouvernance publique au Bénin. Après une quinzaine d'années de pratiques évaluatives, le ministère du Développement, à travers sa Direction générale de l'évaluation et de l'Observatoire du changement social, a commandé une méta-évaluation des politiques conduites au Bénin de 2007 à 2019 et identifié les facteurs de son amélioration. L'autre dossier, non moins important, du ministère du Développement, c'est la sécurité humaine qui préoccupe le gouvernement qui a tenu à résoudre l'un des problèmes majeurs du siècle. Depuis 2010, le Bénin a intégré le concept de sécurité humaine dans toutes les stratégies et politiques de développement. Avec l'aide de ses partenaires techniques et financiers, il a procédé à travers la Direction générale de l'évaluation et de l'Observatoire du changement social du ministère du Développement à l'élaboration des rapports nationaux de suivi de la sécurité humaine. Ces rapports constituent des références pour analyser les tendances, les problèmes et les succès des processus de développement humain mis en place. Le suivi de la sécurité humaine permet de protéger l'individu contre les menaces les plus répandues, notamment les risques environnementaux, le sous-emploi, le trafic des enfants, les chocs économiques. Par ailleurs, le ministère du Développement, à travers cette même direction, coordonne au plan national le comité de lutte contre la traite des personnes. La traite des personnes, c'est un crime transnational qui réfère à une situation dans laquelle des personnes sont placées ou maintenues en situation d'exploitation à des fins économiques. Et donc, c'est un crime international qui est traité à travers plusieurs cadres de conventions. Et donc, le Bénin a été épinglé avant 2016 comme étant un pays qui est très concerné par ce phénomène-là. Et donc, depuis... le gouvernement a doté le pays, à travers bien évidemment le ministère du Développement, d'une politique nationale de lutte contre la traite des personnes. Cette politique nationale de lutte contre la traite des personnes est assortie d'un comité de pilotage, un comité interministériel qui réunit les ministères clés dans la lutte contre la traite des personnes, comité de pilotage que préside le ministère du Développement. Et donc, sur ces derniers mois, donc sur ces 12 derniers mois, ce comité a régulièrement tenu ses réunions. Et entre autres, nous avons travaillé à renforcer les capacités des acteurs clés de la lutte, notamment près d'une cinquantaine de magistrats sont formés, près d'une trentaine d'officiers de police judiciaire sont formés, une vingtaine d'assistants sociaux, y compris une dizaine de journalistes qui sont formés sur justement ce phénomène-là, ces différentes ramifications. L'idée, c'est de renforcer la traque des différents acteurs qui alimentent ce phénomène, d'accélérer les poursuites et de les traiter convenablement de manière à décourager totalement ce phénomène et à le réduire complètement dans notre pays. Le ministère du Développement, avec à sa tête le ministre d'État Abdoulaye Diop Tchané, est un ministère transversal. Il coordonne les actions de tous les autres ministères dits sectoriels, mais il y a certains grands chantiers spécifiques que pilote le MDC pour leur caractère complexe et compte tenu de leur importance dans le processus de développement engagé. Parmi ces nombreux projets, on peut citer l'un des plus grands et ambitieux projets de ce régime,
la GDIZ, zone économique et spéciale de Glodibé. Une zone industrielle intégrée développée sur une superficie de 1640 hectares dans le but de créer de florissantes chaînes de valeur allant de l'approvisionnement en matières premières à l'exportation de produits finis en passant par la transformation des ressources. La GDIZ est une société mixte, fruit du partenariat entre l'État béninois et la société Iraïs. Il est attendu de cette société un investissement chiffré à plusieurs milliards de dollars avec une projection de 350 000 emplois à plein régime. Pour la première phase en cours d'exécution, les entreprises et industries attendues sur la plateforme sont principalement axées sur l'agrobusiness, à savoir la transformation du soja, de la noix de cajou, le karité, du coton, y compris la fabrication de vêtements. D'autres secteurs agricoles sont attendus, comme la transformation de l'ananas et la culture maraîchère. Il y aura d'autres industries également, telles que la production d'engrais, pour pallier le manque au niveau local, national et sous-régional, la production de matériaux de construction ou de produits de consommation. Le ministre d'État, compte tenu de l'importance et de la complexité de ce projet, est descendu sur le terrain à plusieurs reprises. A tenu des séances d'échange avec les responsables en charge de la GDIZ pour surveiller l'état d'avancement des travaux et coordonner ce qui doit l'être. Un suivi qui porte ses fruits d'autant plus que les travaux avancent à une vitesse extraordinaire. Et cette innovation logistique attire de plus en plus l'attention de nombreux visiteurs et investisseurs du monde entier. L'autre projet d'envergure piloté par le MAMP et coordonné par le ministère du Développement, c'est le projet des cantines scolaires. Un lourd investissement du régime de la rupture, certes, mais c'est aussi le programme le plus apprécié par les populations béninoises. Avec le gouvernement et le PAM, nous mangeons sain et nous travaillons bien. Nous pouvons aider les cantines là où il y a bon, il m'a sorti là-bas. Un programme qui favorise la scolarisation des enfants et leur maintien à l'école et un fort taux de réussite scolaire. Le modèle béninois des cantines scolaires a connu un franc succès au point où des rencontres internationales ont eu lieu ici au Bénin et à l'extérieur pour s'inspirer de son modèle. Le Bénin peut donc bomber le TOS, fier d'avoir accompli un exploit dans ce domaine. Tellement de projets et programmes sont mis en œuvre depuis 2016 par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement et ses chevaliers. De grands projets dans tous les secteurs, notamment la santé, l'éducation, les infrastructures, l'énergie et l'eau, la fonction publique, des projets qui ont tous pour but de propulser le développement du Bénin, pour s'assurer que toutes les politiques mises en œuvre sont bien exécutées et profitent au peuple. Des instruments sont élaborés, notamment la mise en place d'une plateforme web dénommée e-coordination, en vue d'assurer une gestion efficiente des activités du gouvernement par le ministère du Développement et de la Coordination de l'Action gouvernementale. Trois volets de coordination sont impliqués sur la plateforme e-coordination. Le volet des dossiers prioritaires, le volet des réformes, le volet des indicateurs de suivi des programmes budgétaires et suivi de projets. Pour chaque volet, la plateforme permet à chaque ministère sectoriel de fournir les informations de suivi, ce qui permet au ministère du Développement et de la Coordination de l'Action gouvernementale de disposer de statistiques pertinentes pour le suivi des actions et décisions du gouvernement.
en dehors de l'outil de suivi qu'est e-coordination, il y a 7 autres plateformes uniques digitalisées mises en place pour le suivi de la mise en œuvre des ODD au Bénin. En effet, depuis l'adoption de l'agenda 2030 et ses objectifs de développement durable, le Bénin fait partie des rares pays au monde à élaborer chaque année un rapport de progrès, une plateforme innovante qui est un élément facilitateur des politiques exécutées. L'an 2 du deuxième quinquennat du gouvernement Talon a été marqué par de grandes et ambitieuses réalisations. Et le ministère du Développement et de la Coordination de l'Action gouvernementale, sous le leadership du ministre d'État, veille au grain pour que tous les objectifs de développement fixés soient atteints pour le bonheur des populations béninoises.